une intro marteau, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans et surtout pour un nouvel épisode de la mini-aventure. On est sur l'épisode 62 de la mini-aventure les amis, donc j'espère que vous allez kiffer cet épisode. On va s'améliorer plein de choses durant cet épisode encore une fois. Dans le dernier épisode, si vous ne l'avez pas vu, on avait amélioré tous les canons. Et d'ailleurs si vous n'avez pas vu les anciens épisodes, eh bien je vous invite à aller les voir, puisque je rappelle que cette vidéo c'est une série de vidéos et que du coup vous pouvez aller voir tous les anciens épisodes qui sont déjà sortis en cliquant juste sur la petite playlist là-haut, là vous cliquez sur le marteau, paf, ici, et tout simplement vous allez arriver sur une playlist avec tous les anciens épisodes. Il faut également savoir du coup que au moment où je vous tourne cette vidéo, je suis actuellement en live sur Twitch. Si jamais vous voulez participer vous aussi au live et du coup au prochain épisode de la mini aventure, et eh bien n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch qu'il y a en description. Je suis en live quasiment tous les soirs, donc n'hésitez pas à passer. On n'oublie pas bien évidemment de rentrer le petit pouce bleu, le petit abonnement et surtout le petit commentaire pour me dire que la team La Mini Aventure est là. Et surtout les amis, n'oublie pas de rentrer le code créateur Alexcalibur. Sur ce, on est parti, on commence directement, let's go. Ok les refs, on est parti. Du coup sur notre village vous pouvez voir ici que eh bien j'ai 7 millions d'or, 12 millions d'élixir, 90 000 de black. Tout simplement je suis super bien parce qu'en fait on démarre la nouvelle saison. C'est à dire que du coup maintenant j'ai récupéré tous les avantages de la dernière saison. Malheureusement mon problème c'est quoi? C'est que ok j'ai 12 millions, tu vois c'est bien, mais le problème c'est que je peux pas les utiliser, mes 12 millions d'élixir. Le seul truc où je dois utiliser l'élixir c'est pour les mines d'or, ou alors c'est pourquoi c'est pour mon laboratoire ici. Mais dans tous les cas il y a déjà quelque chose qui tourne dedans. Donc là pour le coup j'ai un peu le seum. Ce qu'on va faire du coup directement en début de vidéo, c'est que je vais améliorer du coup les deux mortiers que j'avais promis que j'allais améliorer du coup. Hop, donc regardez, nickel, tac, j'en ai amélioré un déjà. Ce qu'on va faire du coup les amis, c'est que on va aller farmer pour pouvoir s'améliorer l'autre. Mais juste avant du coup ce que je vais faire, c'est que je vais quand même améliorer voilà ces petites mines d'or. Dans tous les cas cet épisode là les amis, il va être en plusieurs parties, il va être tourné sur plusieurs jours. Hop, donc voilà, d'ici 3 jours au moins j'aurai les mines d'or qui seront terminées. Et comme ça, ça fait plaisir. Du coup les gars, la maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller farmer et on se retrouve du coup juste après pour pouvoir améliorer mon autre mortier. Les amis, du coup on va continuer et eh bien à aller farmer sur notre village. Ce que vous allez voir également, c'est que eh bien j'ai déjà un petit peu farmé de mon côté, puisque regardez, on est quand même à 4 millions du coup d'or et 8 millions d'élixirs. Et en plus j'ai aussi pas mal de sous dans ma petite trésorerie. Donc regardez, hop là, je récupère ma trésorerie et comme promis du coup eh bien on va pouvoir améliorer des petites choses. Je vous rappelle que la dernière fois on avait amélioré un mortier il me semble, et je devais en améliorer un deuxième. Donc hop là, let's go, le deuxième mortier il est fait, on n'en parle plus. Et regardez surtout en fait, moi mon problème c'est quoi? C'est que j'ai 8 500 000 d'élixir, sauf que j'ai rien à améliorer avec de l'élixir. Regardez là, il n'y a rien, il n'y a pas d'élixir, donc c'est trop chiant. Du coup les gars, je vais aller dans mon labo ici et on va améliorer quelque chose avec de l'élixir. On va améliorer bien évidemment la troupe favorite de Groudy, puisque t'aimes beaucoup le farm. Groudy, c'est pour toi, j'améliore les gobelins. Oh là là là. Allez, merci. T'as vu ça un peu plaisir. Allez hop là, les gobelins, oh ils sont directement améliorés, let's go. Et après les gars, ce qu'on va faire du coup, c'est que eh ben, on va farmer un petit peu pendant une heure ici, histoire de se mettre full tout simplement, et de pouvoir encore améliorer un petit bâtiment. Du coup, on se retrouve dès que j'aurai farmé. À tout de suite. C'est que je vais faire ma petite attaque de ligue avec vous. Enfin, je dois attaquer un HDV10, ça fait plaisir. Sur tous les autres jours qu'il y a eu juste avant, je devais attaquer des HDV11 et c'était trop chiant. Donc là, au moins, on est bon, let's go, ça fait plaisir. Et du coup, je vais directement y aller encore une fois avec cette fameuse composition ici que je vous ai déjà présentée dans une vidéo. Si vous l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller la voir. Pour moi, c'est vraiment la meilleure compo HDV10. Sauf que là, quand même, purée, je suis un boulet. J'ai lancé l'attaque, sauf que j'ai pas les bons sorts. J'ai pas les bons sorts. Il me manque un sort de soin. Et en plus, il me manque un sort de gel. Oh là là, ça va être compliqué. Oh là là, ça va être compliqué, les gars. Si ça arrive à perdre, c'est incroyable. Parce que là... Ok, on va voir, on va improviser le bail. Ok, tac, en vrai, logiquement, ça peut quand même le faire. Logiquement, la compo est tellement cheat que ça peut quand même le faire. Ok, tac, j'espère qu'il a un CDC bien chiant, comme ça je vais pouvoir bien le gérer avec mes deux sorts de poison. Mais j'ai rentabilité là. En vrai, ça va, j'ai de la chance qu'il n'y ait pas de mono, du coup, genre, je peux peut-être attaquer sans... Sans gel pour le coup. Après, si vous voyez qu'il y a des monos, clairement c'est compliqué. Tac. Attends, mais il n'y a pas de château ou quoi là? Pourquoi il se passe rien?
ce serait bénef, hein. Attends, je crois, il y a vraiment. Attends, mais s'il n'y a pas de château et que j'ai deux poisons, j'ai vraiment le seum, quoi. Il n'y a pas de château. Bah, tu poisons la reine et tout. Ça va, il y a un château, il y a un château, il y a un château. Hop, tac, et là, je vais envoyer du coup mes Hog sur le sud ici. Let's go, l'HDV déjà, il est tombé. Impeccable. Par rapport au PK et tout, vu qu'on fait du PK, oh du PK là, Hog là, et mais tout. Tu es l'humour ce soir. On s'arrête plus. Mais oui. En vrai, pour le moment, ça passe. Par contre, fait chier, mec. J'ai mis deux poisons. Attends, c'est incroyable. J'ai mis deux poisons sur son putain de Hydrag. Son putain de Hydrag, il est pas mort. Frérot, il est, ça va, il est pas trop chiant, ton Hydrag. Après, c'est bon, ça va quand même perf logiquement. Wouah, j'ai perdu tellement de Hog d'un coup. C'est bête, ça. Hein. Non, ah, je sais pas, ça... ouais, ça va le faire quand même. Ça le fait quand même ou pas? Oh putain, mais j'ai. Oh là là, attendez, c'est la panique, c'est la panique, c'est la panique, c'est la panique. Parce qu'il me reste. Il me reste ma reine. Ah ouais, mais non, ça va pas le faire. Non. Les gars, c'est dur. Hein. Les gars, là, c'est très très dur. C'est compliqué. Oh non. Quelle déception. Mais putain, mais c'est à cause des deux putains de sorts de poison là. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Mais non. Mec, le truc, c'est que maintenant, j'ai tellement l'habitude d'attaquer un TH10 qu'à chaque fois, je me dis, bah, c'est bon, ça passe dans tous les cas, tu vois. Mais non! Ok, les amis, on se retrouve du coup une heure après. Comme promis, vous pouvez voir ici que je me suis mis bien au niveau de mes ressources. Malheureusement, j'ai pas pu me mettre full parce que j'ai pas eu tant de chance que ça. Mais par contre, on va quand même pouvoir s'améliorer pas mal de choses. Alors, malheureusement, j'ai encore, eh bien, mes 8 400 000 d'élixir. Mais je peux pas les utiliser, donc j'ai le seum. Mais ce qu'on va faire du coup, c'est que j'ai regardé un petit peu avant et j'ai vu simplement que j'avais déjà une petite tour d'archer ici qui était en retard. Donc hop, on rattrape notre petit retard en ayant cette petite tour d'archer. Et ensuite les gars, ce qu'on va se faire simplement, c'est qu'on va, eh bien, s'améliorer. Mais je pense qu'en vrai, on peut se faire les petites tours d'archer. Du coup, on enchaîne directement sur les suivantes. Donc hop là, let's go. Et malheureusement, on n'a pas assez pour en lancer une dernière. Je vérifie si j'ai pas de l'or à récupérer quelque part ou quoi. En vrai, les gars, je suis un schlag. Hop, c'est coupé. Chut. Il y aura que le chat qui verra. Chut. Tu regardes le live, tu verras. Chut. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Chut. Tac. Ok, c'est bon, on peut s'améliorer. Chut, attends, arrête. Chut, je rec. Okay, les gars, c'est bon, on peut s'améliorer la dernière petite tour d'archer. Let's go. Et voilà, on aura bien avancé pour cet épisode. Ça, genre, j'étais choqué. Regardez la base qu'il a, le mec. Genre, il y avait 700 000 à récupérer de chaque. J'étais refait. Et à la base, je me suis dit, ouais, c'est un monocanon. Et en fait, j'ai regardé de plus près et c'est pas du tout un monocanon. C'est juste le mec, il avait posé des défenses random. Il y avait pas de mur, c'était n'importe quoi. Moi, quand je tombais là-dessus, j'étais en mode yes, aïe, j'étais refait au max. Et ça, les gars, ça fait plaisir. On va se lever directement en x2. Regardez comment c'est satisfaisant d'avoir des gameplays comme ça. Parce que genre là, tu vois que je peux récupérer tellement de ressources tellement facilement. Et ça les gars, ça fait hyper plaisir. On va arrêter du coup cet épisode sur ce petit gameplay. J'espère vraiment que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Bien évidemment, encore et toujours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater, eh bien, les prochains épisodes de la mini-aventure. Et surtout les amis, n'oublie pas de rentrer le fameux code créateur Alex Calibur. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Alex et ciao ciao les amis. A plus. Bye bye. Hey, si tu kiffes mes vidéos et que tu veux en voir plus, eh bien n'hésite pas à t'abonner sur le bouton juste ici, là où il y a les flèches là. Allez, je t'attends. T'as également deux autres vidéos sur les côtés, je suis sûr qu'elles vont te plaire. N'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu également et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et n'oublie pas le code créateur Alex Calibur.